Tandoori chicken, poulet tandoori. Ingrédients: de la pâte composée de gingembre et d'ail, de la poudre de piment, du sel, de la poudre de turmeric, du garam masala, du colorant alimentaire rouge, 200 g de crème fraîche, un poulet entier, 500 g de yaourt, du vinaigre de vin rouge et du jus de citron. Préparons le marinage. Dans une terrine contenant le yaourt, ajoutez 2 cuillères à soupe de pâte de gingembre et d'ail. Puis, 2 cuillères à café de piment en poudre. Une de sel. Deux de turmeric. Deux de garam masala. Trois de crème fraîche. Du vinaigre de vin rouge. Et du jus de citron. Mélangez les ingrédients à l'aide d'un fouet jusqu'à obtention d'une couleur uniforme. Ajoutez 5 cuillères à café de colorant rouge. Et amalgamez le tout. Laissez reposer le mélange et prenez le poulet. Sur une planche à découper, coupez-le en morceaux en lui enlevant les pattes. Et faites des petites incisions obliques dans la chair des cuisses pour permettre au marinage d'y pénétrer. À présent, immergez le poulet dans le marinage de yaourt. Et laissez-le reposer pendant 4 heures au réfrigérateur. Retirez le poulet du réfrigérateur. Prenez une broche et embrochez les morceaux de poulet. Faites-le maintenant cuire sur le grill en retournant la broche pour que la cuisson soit uniforme, en évitant que le poulet attache. La cuisson originale est réalisée dans le four tandoori qui laisse la viande tendre mais avec le goût caractéristique de la grillade. Une fois cuit, retirez le poulet de la broche et disposez-le sur un plat.
assaisonné avec le jus de citron et le chaat masala. Accompagnez ce plat d'une sauce chutney à la menthe.